Les femmes françaises n'aiment pas les seins stéréotypés. Elles aiment les seins naturels. Le docteur Cédric Rond va nous éclairer sur ce point. Oui, les prothèses ont des formes particulières. En France, il existe deux grandes familles de prothèses en termes de forme, des prothèses rondes ou des prothèses anatomiques. Les prothèses rondes sont des prothèses qui ont un diamètre défini, mais pour lequel on peut faire varier la projection, et donc ainsi, au sein d'une prothèse ronde de même diamètre, avoir des formes différentes en faisant varier cette projection. Au niveau de la prothèse anatomique, on a la possibilité de faire varier une variable de plus, parce qu'on peut faire varier de façon indépendante la largeur et la hauteur de l'implant, avoir des implants plus ou moins hauts, plus ou moins étroits, ou des implants plus ou moins larges et plus ou moins bas. Et à nouveau, au niveau de la prothèse anatomique, on peut aussi faire varier la projection et même faire varier plus ou moins la forme de l'implant selon le niveau de projection maximale de l'implant anatomique. Alors cependant, implant anatomique ne veut pas dire sein anatomique et implant rond ne veut pas dire sein rond. Ce serait trop facile et c'est la combinaison de l'implant que l'on va mettre avec l'anatomie initiale de la patiente qui va permettre de savoir si on va avoir un sein de forme plus ou moins naturelle selon le choix, l'anatomie de départ et le choix et le désir de la patiente. Ce qui va aussi conditionner la forme des implants, c'est leur contenu. En France, il existe deux grandes familles de prothèses, des prothèses remplies de sérum physiologique ou des prothèses remplies de silicone. Dans les prothèses remplies de silicone, on peut faire varier un petit peu le type de silicone que l'on a au sein de l'implant, qui va donner une cohésivité plus ou moins importante et une densité plus ou moins importante à l'implant, et qui va donc conditionner sa forme et conditionner aussi éventuellement sa plasticité et donc le résultat final lors de la mise en place.